Ladies and gentlemen, tribunal du goulag numéro je sais plus combien, ça doit être 5, 6, 7, on verra bien. Le monteur sur YouTube, tu te débrouilleras avec ça. Tribunal des bannis. Ladies and gentlemen, et je vais avoir besoin de... Mate. Remember it. On en a combien à gérer? 38 demandes, faut qu'on soit efficace, c'est parti. Bonsoir. Ban, pseudo non valide. On est bien entre tes seins. Salut, tu m'as ban pour avoir dit le mot interdit ou pour mon orthographe vulgairement adéquate. Dans les deux cas, le ban est compréhensible quand on est sensible du système nerveux. Donc il vaudrait mieux en effet ne pas me laisser la parole pour ne pas affecter le pourcentage de ta communauté qui joue à mot interdit. Sinon, je ne comprends guère le ban. PS, rip la chaîne sans mairie. Du coup, le premier. Tu peux Alt F4, t'es nul, mec. KO, 4K, tac, tac, tac. Salut 6-4, ça veut dire quoi? MDR, tu pourrais jouer en classé avec ce compte. Pourquoi me ban d'un coup sans aucune raison? Je n'ai pas de réponse à ma question. Je connais pas 6-4 depuis qu'il joue plus ne classé. On va mettre ça comme ça. Depuis qu'il joue plus en ne classé, donc j'ai pas le motif. Après, la raison du ban, c'est peut-être le message. Mot interdit, insultant MP, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on fait? Ça va aller vite. Ouais, c'est bon. Ouais, là, on est bon là. C'est quoi l'insulte? Il l'a traité de flubby flub, je crois. Ce qui est une insulte au-dessus de Nick. Allez, c'est ban, ça. Rejetez la demande. Parce que t'es nul en français. Pff, voilà, frère. Non, franchement. Schweg. Tout le temps, quoi. Wow, les alliés. Qui vieillit, oui, MDR. Les fautes que je vois, là, c'est grave. L'abus du modo, là. Je vais même pas me défendre. C'est toi qui dois t'excuser, là, carrément. Pas moi. Tu penses que Vibrassi aurait pu être pro? Lol. 6-4, tu penses que Vibrassi aurait pu être un joueur pro? Ou car il était vraiment beau? Stop spamming caps. 6-4, tu penses que Vibrassi aurait pu être un joueur pro? Ou pas? Désolé, j'étais ban. Et Vibrassi a justement arrêté Rainbow Six et a changé de chaîne YouTube. C'est dommage. Il avait vraiment un gros niveau. Dommage. Six, tu penses que Vibra aurait pu être joueur pro? Yo, c'est pas Ready or Not aujourd'hui? Yo, Six, tu penses que Vibrassi à l'époque aurait pu être pro? Bonjour, je voudrais m'excuser pour le spam que j'ai fait et j'aimerais repourvoir participer au chat de 6-4. Merci. Et du coup, t'en penses quoi? Du coup, t'en penses quoi de la Suisse? Je sais pas, mais si t'es Suisse et que t'es pas abonné, t'es un putain de radin. Ok, c'est ban! Rejetez la demande. Je pense que Vibrassi aurait pu plus d'infos. Ah, il va cliquer. Bonjour, monsieur le grand, jeune et beau proviseur. 6-4, ok. Bah, la prochaine fois, tu feras pas la faute. J'ai un grand S, mais un petit Q. Est-ce que c'est bien clair? Je tiens tout d'abord à m'excuser si j'ai fait offense à certains dans votre chat, qu'ils soient modérateurs, viewers ou vous-même. Je vais aussi vous demander pardon pour mon insolence, si vous la considérez comme trop importante dans ce chat. J'ai également pris conscience que ce chat est une dictature et en aucun cas, je ne me remets en cause ce système. Je mettrai ici ma démocratie de côté. Voir DM Discord de Six pour la suite SVP. Je lis pas les DM Discord. On fait quoi? On fait quoi? Il a compris, il a compris. Il est drôle. Il a compris le principe de la dictature. Il a fauté sur le cul de 6-4. Mais bon, voilà. 100% de mauvaise foi, mais on aime. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. On débanne, on débanne. On débanne. Ok, ça passe pour cette fois. N'oublie pas, effectivement, notre principe de démocratie unipersonnelle. À choix unipersonnel. Ouais, on va appeler ça, ça passera mieux. Une démocratie à choix unipersonnel? En même temps, c'est hyper bien. Ouais, ça s'appelle une dictature. À choix unipersonnel. Je trouve que c'est pas mal comme nom.
Il a un minimum d'humour, je pense, pour le prendre comme une blague, pas comme une insulte. C'est pas un enfant. Ferme ta gueule, toi. Foxy a banni Estig. Si seulement je pouvais remonter le temps pour annuler tout ce que j'ai dit ce jour-là. Mais hélas, je sais que c'est impossible. J'espère que tu trouveras la force en toi pour me pardonner. Je sais qu'il n'est pas facile de s'excuser ensuite et de dire que mes mots ont dépassé ma pensée. Mais je t'en prie, crois-moi, je suis désolé. Mais le mec à qui j'ai dit ça, nique ta mère. Il est trop fort. Oh, le génie. Oh, fuck. Allez, vas-y, je sais pas. J'en ai aucune idée. Il est trop fort. Le mec, il part. Victor Hugo. Eh, Baudelaire, le mec. Et à la fin, mais le mec à qui j'ai dit ça, ta mère. Oh, putain. Oh, je chiale. Oh, putain. Allez, c'est vraiment trop fort. Allez, déban. Acceptez la demande. Néanmoins, tu t'excuseras auprès de... Foxy, le surveillant. Ok, c'est bon, accepté, c'est propre. 6-4, est-ce que tu as importé des skins que tu avais sur console? 6-4, est-ce que tu as importé des skins que tu avais sur console? 6-4, est-ce que tu as importé des skins que tu avais sur console? 6-4, est-ce que tu as importé des skins que tu avais sur console? Bonjour, bonsoir. Je tiens à m'excuser pour les 4 derniers messages que j'ai envoyés, qui, je pense, sont considérés comme spam. Considérés. Non, c'est une répétition, hein. En effet, j'ai spam un message en pensant que ça allait améliorer les chances que 6-4 allait lire mon message. En étant fan de 6-4, je m'excuse une dernière fois en espérant me faire un ban. J'ai appris de mes erreurs et je ne referai plus ce type de bêtises dans le futur. Bien cordialement, votre cher et adorable viewer, Alex Oso. Alors 6-4, est-ce que t'apportes des skins que t'avais sur console? Oui, bah oui, bien sûr. Bon, on fait quoi? N'empêche qu'il est déjà revenu, lui, hein. Parce qu'il y a un autre mec qui s'appelle Alex Oso XD. Ouais. Putain, la vache, il est retenu. Donc, contournement un petit peu. Alex Oso XD. 6-4, merci. T'as vu? Alex Oso XD. Écoute, c'est simple. Je te donne 60 secondes pour te sub à la chaîne. Et j'efface l'ardoise de 1, ce que tu as mis là. Et de 2, du contournement, ok? C'est une amende. Rien à voir avec le fait, bien évidemment. Rien à voir avec le fait que je touche de l'argent. Non, ce n'est pas là. L'important, c'est le principe. Il faut que tu payes quelque chose. C'est une amende, ok? Je le fais dans une logique éducative pour faire de toi une meilleure personne. 6-4. Sur la vie de ma mère, ce compte est PHP, donc je peux pas payer. Mais du coup, si tu me unbound sur mon main, sur la vie de ma mère, je me sub dans les 5 prochaines minutes. We have a deal. Acceptez la demande. Tu connais le deal. Et ça t'a fait quoi de voir le pseudo et de voir que out of the blue, j'arrive à te citer. Alors que je regarde pas le truc, hein, tu vois, j'ai pas ouvert le truc. Mais tous les pseudos, les mecs, dans le chat, je les connais. Je vois tout, moi. J'ai un game sense. T'as parlé une fois il y a 2 jours et derrière... Je fais l'association. C'est parti. Il est 21h00. À 21h05, tes 2 comptes sont ban. Oh, mais je vais faire ça maintenant. Je vais faire ça. Je vais accepter toutes les demandes. Et il y aura une amende à payer. L'amende, c'est un sub. Et 50€. S'il y a récidive. Pourquoi je fais pas ça, moi? Pourquoi est-ce que Twitch ne fait pas ça? Avec un truc, payer une amende. Ce serait trop drôle. Non, sérieusement. Là, je suis sérieux. Mais c'est trop intelligent. Un truc avec un curseur où tu choisis le montant en bits à payer, Twitch sera content, ça leur fait de la thune. Ils prennent de la thune sur des bits. Et donc, t'as la possibilité de unlock ton compte moyennant 50 bits, 100 bits, en fonction de la gravité du truc que tu décides. Eh ouais! Vous en pensez quoi? Ah, Alex Oso, merci de tenir ta parole. Il pourrait y avoir un abus sur les bans. S'il y a un abus sur les bans, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas aller revoir le fils de qui t'a fait ça? Si le streamer, c'est un... Et c'est pas comme si c'était un truc généralisé à l'intégralité de Twitch. Tu vois ce que je veux dire? Le streamer fait ce qu'il veut. Après, tu te barres, quoi. Moi, je pense que tu sois le premier à y avoir pensé. Mais si, il y a plein de trucs auxquels je suis le premier à avoir pensé. Petit Biscuit a banni Alex Oso XD. Pourquoi tu l'as banni? D'un autre côté, s'il y a un abus sur les bans, il n'y a plus de viewers. Bah oui, là, il y a une autorégulation. Bon, bref, des bans, c'est bon, c'est fait. Mais au team, je l'ai dit, c'est l'argent qui régit les lives. Ouais, il a raison, tu vois, il avait pré-shot. Juste, arrête.
Riche de m***. Non mais frérot, tu es qui à défendre les modos que je n'attaque en aucun cas déjà, Nargagouga. Mais pourquoi? J'ai rien dit de mal. Je me comporte très bien. Je respecte. Mais il y en a qui ont trop la haine contre moi. Voilà. C'était quand ça? Ouais, parfois je suis un peu... Yeah, j'ai un petit côté... Un peu samouraï du truc, quoi, tu vois. Aigri. Ouais, ça va être ça, aigri. T'as une tête de 6-4. Ah ouais. Une tête de croisée, pite. Ça se voit. Y'a tout de faux, là. T'as jamais gagné une bagarre. Écoute-moi bien, Enzo. T'as 14 ans et tu viens d'apprendre qu'une bite dont tu parles sert à autre chose qu'à pisser. Concernant la bagarre, je suis, si tu le souhaites, enclin à nous rencontrer sur le parking de la Louvar Game à Charleroi du 31 mars au 2 avril. Nous pourrons alors faire d'une pierre deux coups, comparer nos bites et mettre à l'épreuve mes quelques années de boxe anglaise. Bien cordialement, Six et sa modération. Salut, Ella est compétitive. Salut, mec, t'es top. C'est pas Cole, le aigri du chat. T'es aigri, t'es arabe. Le fou du volant en BM. Je tenais à m'excuser pour mon comportement déplacé. Je me suis pris dans le live de quelqu'un d'autre. Étant aussi joueur de ce jeu, j'aimerais davantage réagir à ton contenu. Si tu peux me débannir, merci. On fait quoi? Pourquoi? Il a dit je tenais à m'excuser et tout. 49-3. Refais plus jamais ça. Il s'est excusé. Le principe, c'est quand on s'excuse, on a le droit à une seconde chance. Hein. Coucou. Bonsoir. Je ne comprends pas mon bannissement. Si je n'ai pas respecté une des règles du chat, je suis désolé. Eh ben, on dit pas coucou, on dit bonjour. Wesh. Tipeee a banni Kinfi 2. Salut bébé, désolé. What? What? Il y a la bavure là. Il était 16h. Bah, il était bourré. Hein. Bavure de la direction, comme souvent. Acceptez la demande. Et bien, tu sais, pour bien mettre la pression à quelqu'un, comme les enfants, tu sais, tu leur expliques pas ce qu'ils ont fait de mal, tu vois. Ok, ne refais plus jamais ça. Il sait pas du tout. Tu ne joues plus? Si, je joue avec la vie des gens, c'est beaucoup plus drôle. Salut, ça va? Salut, oui, salut, moi, Valorant, go Valorant. Tu peux me débander, STP? Monte ton fiac, monte tes fesses. Foxy a banni Dadou. STP. Ah, le problème, c'était la politesse, clairement. Je suis vraiment désolé. Très beau Squeezie. Les gens disent que tu as une calvasse, mais ce n'est pas vrai. Je ne referai plus de bêtises à l'avenir, promis. On m'a pris pour Squeezie, là? Là, faut le ban 10 ans. Ouais, qu'il revienne quand il en aura 15, du coup. Ok, vous avez décidé, c'est ban. Allez, rejetez la demande. Ici, c'est 6-4, en revanche. Bonjour! C'est quoi, Hatic? Ah, ok, bien vu. Non. Oh, le fameux Hatic d'Oregon. Non, je veux bien, mais j'ai jamais joué sur PC. Les frères, je viens de passer sur PC. Qui m'offre le jeu SVP? Ça y est, frère, il y a un message par heure, tu le supprimes. À croire, j'ai menacé quelqu'un. Crary, tu menaces. Désolé pour tout, j'étais un petit con. Ou cul, au choix. Le 12-9, c'était un petit con. Et genre, 2 mois après, il a mûri, quoi. Ah, il a mis désolé. Et il a un subprime. Ouais, je vais faire moi-même le truc. Hein. Ok, en revanche, tu claques ton subprime chez moi. Coucou, Calve. Bonjour, Benjamin. Je dois avouer que l'utilisation filoutée de Banword n'est pas très intelligente. Je trouvais ça marrant. Mais avec le recul, je me dis que peut-être cela te fait du mal intérieurement. Et j'en suis désolé. Je te présente donc mes plus plates excuses. Je m'engage à ne plus réitérer ce comportement en espérant pouvoir compter sur ton indulgence car l'ambiance du chat me manque un petit peu. Je te remercie par avance pour ta compréhension et te souhaite une agréable journée. What the fuck? Mais comment c'est les mêmes personnes? Vas-y, je sais pas, vous faites quoi là? Moi, je sais pas. Attends. D'où est-ce qu'on m'appelle par mon prénom là? C'est un ban ça. Ne jouez pas dans le chat. Il y en a, ils vont vouloir jouer avec ça. Donc allez-y, c'est un ban instant. Vous voulez essayer ?
Ce sera très certainement envoyé sur YouTube. N'oubliez pas de sur YouTube, bien évidemment, toi qui viens de regarder la vidéo sur YouTube, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Ça permettra de payer le monteur de la vidéo qui n'est pas très très bien payé en plus, tu vois. Donc, tu smashes le bouton like et tu le partages à ta daronne et tu mets un commentaire en disant « Ouais, j'ai vraiment passé un truc. » Le commentaire, en soi, on s'en bat les... On le lira pas. En fait, on n'en a rien à... Ton commentaire tout pourri. On est sur YouTube, je peux plus dire le mot... En fait, on n'en a rien à... de ton commentaire absolument nul. Mais, je l'anticipe pour le monteur, ça lui fera moins de boulot. Mais tu peux quand même en mettre un, ça nous aide énormément. Cœur sur toi.